Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Les amis, incroyable, Goku Ultra Instinct maîtrisé et l'air. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dokkan Battle. On va aller tester le fameux Mibiaté LR accompagné de Vegeta Blue Evolution LR. C'est une dinguerie. En team Universet, c'est vous hier, lors de mon live Dokkan Battle, vous m'avez dit Soso, va tester la team Universet en Goku Rush, etc. Je vous avais promis une vidéo où j'allais tester cette team. Ça va être chose faite dans cette vidéo. Donc là, à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette intro, j'ai déjà tourné la vidéo. C'est une dinguerie. Non mais la vérité, je ne m'attendais pas à ce que la team Univers 7 soit aussi puissant avec ces deux colosses. Non mais clairement, c'est trop fort. Il est SP20, bien évidemment, on l'a Dokkan et on l'a monté en SP hier ensemble, en live les amis. Pareil pour le Vegeta Blue Evolution LR. J'ai également rajouté du coup le fameux Goku Ultra Instinct non maîtrisé qui peut se transfo en maîtrisé une fois que tu as 50% DPV ou moins. Il passe en maîtrisé, par contre il n'est pas encore à 140, je ne l'ai pas encore farm à fond, il est à 125. On va y aller progressivement, vous savez très bien, les Dragon Ball Legends, etc. Je pensais beaucoup moins Dokkan Battle, hormis faire des missions quotidiennes, récupérer les DS un petit peu en mode crevard. D'ailleurs en free to play, hein, je suis quand même à 605 DS. Après avoir invoqué sur l'anniversaire des 6 ans de Dokkan Battle. C'est quand même pas mal. En leader, j'ai mis le fameux LR en duo de Goku et de Freezer. Je trouve qu'il est très bien en leader pour up la team Univers 7. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je vais juste également vous montrer une chose avant qu'on commence le Goku Rush. Alors, c'est le Goku Rush classique, celui que je connais. Ça fait au moins un an que je n'ai pas fait ce fameux Goku Rush. Je vous en dis pas plus. C'est incroyable. Quand même, les dégâts vont être incroyables. Et je sais également qu'il y a un Goku Rush GT que je n'ai pas fait, qu'on ira faire ensemble dans une prochaine vidéo. On ira voir également ce que ça donne. Et également dans les invocations, il va y avoir une vidéo invocation qui ne va pas tarder, tout simplement pour la bonne raison que j'ai des tickets gratos, voilà, sur le fameux portail invocation légendaire sublime et également le Mibiaté LR. J'ai 15 tickets également sur le Vegeta LR, donc voilà, on fera une vidéo là-dessus, sait-on jamais si on peut avoir des doublons sur Vegeta et Mibiaté. Je dis pas non. Préparez-vous, installez-vous bien, max de pouces bleus sur cette vidéo et abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires si Univers 7, c'est fort pour vous. Pour moi, c'est extrêmement balèze. Let's go, yeah! Donc voilà hein, la team là, que j'ai faite là, juste ici, avec les objets. Alors attendez, moi je vais prendre directement voilà, le téléphone dans les mains, ça sera plus simple pour jouer. On va voir, donc voilà, j'ai pris pas mal de petits objets histoire de se soigner, voilà, et puis de booster un peu les attaques ou la défense. Alors il y a les trucs mémoire de soutien, tu vois qu'on voit juste ici. Je connaissais pas moi ça à l'époque. Hein. Allez, let's go, Goku Rush, on va voir ce que ça va donner. Il y a également un nouveau Goku Rush GT, faudra que j'aille le tester, enfin, faudra que j'aille le faire. Apparemment il est un peu plus compliqué, on va y aller progressivement, on va d'abord faire ce fameux Goku Rush à l'ancienne. Et ensuite pour une prochaine vidéo, pourquoi pas en faire un autre. Allez, let's go, on prend le Mibiaté dès le départ. Voilà, le Vegeta au milieu, voilà. Bon, le but là c'est de one shot le Goku forme de base. Ok, commence avec une spé. Ish! Et voilà! C'est très fort avec Mibiaté, ça esquive. C'est un truc de fou. Le Mibiaté, il esquive les frères, c'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Oh! Et. Ah ouais! Presque 4 millions! Ah ouais, quand même! Ah, c'est bien ça! Ah, c'est bien ça! Bon, bah voilà, là, ça va être fini. Allez! 1,6 million, ça crit avec le Vegeta Blue Evolution. Ah ouais, mais ça va pas blaguer avec le Mibiaté. Hein. Wouh, ok. Bon, Goku, SSJ. Alors. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Let's go. Voilà, ici. Là, c'est bien. Comme ça, il part en ultime. Et du coup, lui, on s'en fiche. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je pense que là, ça devrait faire mal après avec le fameux LR du duo. Freezer et Goku. Alors ça c'est bien, avec ce Vegeta Blue là, il enchaîne les attaques, c'est plutôt pas mal, ce qui fait que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et là il a enchaîné. Oh, quand même, hein. Si tu additionnes tout ça, c'est pas mal. Alors là ça devrait faire mal quand même. Là ça devrait faire mal quand même. Elle est stylée. Franchement, les animations Dokkan, c'est stylé de ouf. C'est vraiment stylé. 2,7 millions, purée. Eh, ça cogne, hein.
La team Univers 7, les frères, ça cogne. Hein. Ok, c'est 17 MVP. 800 000. Ah, dommage, j'aurais bien voulu qu'il termine. Franchement, j'aurais bien voulu qu'il termine. Dommage. Bon, c'est pas grave. On va le terminer au prochain tour. J'aurais bien voulu le terminer direct. Donc là, on a ça. Ouais, vas-y. Hein. On va faire ça. Et let's go. Hein. Comme ça, si jamais il peut esquiver le Mingaté, ça m'arrangerait. Histoire de pas prendre trop de... Trop... Encore les PV, franchement, ça va. Hop, bah voilà, ça esquive. Hop, pff, allez, c'est esquive. Hop, j'ai tout esquivé. Mais c'est beaucoup trop fort, le Mingaté LR. Le Goku Ultra Instinct est trop fort, les frères. Donc voilà, on a tout esquivé, on a bien fait. Oh là là, et ce regard qu'il a. Ok, SJ2 en face de nous. L'active skill, très bien. Là, je vais... Ouais. On va faire ça. Voilà, comme ça, ça part en ultime. Là, du coup, ça va partir en ultime aussi. Et puis, bon, bah là, après, il n'y a plus qu'à... Voilà, on fait ça. Au niveau des PV, on est bien. Hein, toujours à 500k de PV. Let's go. Franchement, dans Dokkan, on peut dire ce qu'on veut. Les animations sont chouettes. La vérité, je ressens la nostalgie de l'animé à travers les animations d'Okan. Ok, Mingaté. Pa. Oh là 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 là. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Allez, esquive. Donc là, voilà, il enchaîne un petit peu. Oh, un million quand même. Il a tapé un million. Oh, il a retapé presque à 200k. Donc là, on est quasiment à 1 million 2. Ouais, comme... Encore 1 million 240, plus là. On a tapé quasiment à 1 million 3 avec le Vegeta. Hein. Incroyable, avec le Vegeta Blue. Ok, active skill également. Alors. Voilà. Ok. Let's go. On part comme ça, il est en ultime. Bon, je pense que là, voilà, on va faire ça, on va pas se casser la tête. Hein. De toute façon, c'est bon. Hein. Voilà, on récupère un peu de PV. Comme ça, on est encore dans les 500k. 509 000 même. Ok, là par contre, là ça va casser de la bouche. Ça devrait casser de la bouche là. Pow! Final flash! Let's go! Ok, 1 million 8. Allez, comme ça il va le terminer. Merci, au revoir monsieur. Et franchement les gars, c'est pas le pied de jouer sur un Galaxy Z Fold 2 comme ça. Au cas où, pour ceux et celles qui se demandent hein, pourquoi j'ai un grand écran comme ça, parce que j'ai le Samsung Galaxy Z Fold 2 et c'est vraiment kiffant de jouer comme ça. Ok, let's go, voilà. Là, du coup, voilà, on va prendre ça, hein, comme ça, il part en ultime. Et puis là. Donc, je garde les active skills hein, pour plus tard. Ok. On est toujours à 511 000 PV. Bon, là, ça descend. On a toujours 504 PV. Hein. Franchement, c'est bien. Il y a quand même pas mal de PV hein, sur cette team. L'univers 7, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Ok, donc là, il va me faire l'aspect. 39 000, ça va. Franchement, ça va. Ok, bam! Allez, mange la patate. Pim! Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ok, Mingaté, ça va cogner. 1 million, c'est bien. Ok, il a bien encaissé en plus. Ok, le petit Mingaté maîtrisé, hein. Qui est même pas monté encore à 140, hein. Ok, poum. Et merci pour les follow, bienvenue. Oh, ça y est, ok, lui se transfo en Vegeta Blue Ultra. Incroyable. Vegeta Blue Ultra, qu'est-ce que je raconte? Vegeta Blue Evolution, je veux dire. Ultra, n'importe quoi. Allez, let's go. Voilà. Je pense que... On va faire ça. Comme ça, si on peut esquiver les attaques derrière avec Mingaté, ça serait pas mal. Et puis, là, voilà, on va partir comme ça. Hop, on est en ultime. Et puis là, voilà, on récupère un peu de PV. Let's go. On va voir, hein. On va voir ça va cogner à combien. Voyons voir ça. Ah bah, il n'y avait pas besoin d'esquiver, en fait, avec Mingaté. 3,5 millions. Ah ouais, d'accord. Autant pour moi, excuse-moi. Excuse-moi, je te respecte pas. Excuse-moi, je t'ai pas respecté. Désolé, frérot. Il n'y a pas besoin d'esquiver, en fait. Oh ouais, d'accord. Purée. Là, ok, on va faire ça. Là, on va faire ça. Comme ça, on part en ultime.
Et puis là, voilà, ici, voilà, c'est... Non, mais c'est incroyablement fort. Le Goku Ultra Instinct LR, il est trop fort, les frères. Non, mais vraiment, ça esquive, ça coin fort. C'est équilibré. Enfin, il est équilibré partout. Que ça soit défensivement ou même offensivement, c'est un truc de fou comment il est fort. Fais voir l'aspect-là, va cogner à combien, là. Là, je devrais prendre un peu, là. Ouais, 130 000. Là, ça fait mal un petit peu, quand même. Ok, Migaté, bam. Pas. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. 1,6 million. Encore. Ça crit. Ça fait des doubles spé. C'est trop fort. C'est trop fort. Oh. Et allez, ça crit encore. Et ça esquive. Oh là 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 là. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Oh. Oh là là. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est trop fort. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est les nouveaux trucs ça. Oh, ok, je sais même pas ce que ça a fait. C'est les nouveaux trucs mémoire. Moi, je connaissais pas ça. Ok, vas-y, on va faire ça du coup. Hop. Voilà, comme ça, on va partir en Dokkan mode. En plus, l'autre, il sera à contre-type. Voilà. Tac. Bah, du coup, Osef, en fait, hein, on va partir, voilà, comme ça. Donc là, on a le Dokkan mode. Ça devrait faire mal, quand même. Je pense que là, ça doit faire mal. Il part en ultime. Alors, faut pas que je me rate. Ish! 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 Yes! Dokkan mode. On l'a fait, ok. Là, ça devrait faire mal. Ça devrait faire mal. Allez, fais voir là. L'ultime. Le final flash. Allez. 3 millions 5, 4 millions. Oh 5 millions 487 000. Oh lolo. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais là, il a pas rigolé là. Ah, mais là, il a pas rigolé. Oh mais purée, mais même le Vegeta, c'est incroyablement fort. Mais quasiment 5 millions 5. Oh. Alors, attendez, attendez. Là, faut que je me remette de mes émotions, là. Ok, là, par contre, là, c'est intéressant. Voilà, il y a les boules de ki vertes. Voilà, hop, ici. Non, mais c'est trop fort. Non, mais c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ok, l'ultime, voilà, ici. Et puis là, de toute façon, hop, on peut prendre celle-là. Non mais les frères. Non mais... Goku Ultra Instinct LR maîtrisé avec le Vegeta LR. Mais c'est beaucoup trop fort comme team. Non mais la vérité, c'est incroyable. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Goku Rush, hein, les frères. Ça faisait longtemps. Hein. Ah bah pour le coup, là, je suis bien servi. Hein. Je suis bien servi. Hein. Oh la vache. Ok. Ça crit. Hop, ça esquive. Hop. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça crit, ça tape fort, ça esquive. C'est... En plus, lui, voilà, lui, il enchaîne les attaques. Vas-y, encore. Allez, hop, ça crit. Allez, encore. Allez, hop, ça crit encore. Oh, la Team Universe 7, les amis. Bon, alors là, attention, je vais manger combien? Ouais, 200k. Par contre, là, j'ai mangé, là. Dommage que c'était pas Migaté, il l'aurait esquivé, sinon. C'est pas grave. Let's go. Voyons voir. Let's go, voilà. Comme ça, il part en ultime, ici. Là. On va faire ça. Faut pas que je joue au con, quand même. Hein. J'aimerais pas perdre pour la vidéo, vu qu'on est bien parti. Faut pas que j'hésite à mettre des objets, moi, aussi. Hein. Parce que là, c'est vrai que là, je suis milieu de PV. Faudrait pas que je joue au con, quand même. J'ai des objets, faut s'en servir, quand même. Ok. Ok. Ça a tanké. Hein. Voilà, par contre, là, ça devrait faire mal. Parce que, bon, il y a les objets, faut les prendre, on va pas prendre de risques. Ça m'embêterait de perdre pour la vidéo, tu vois, pour ce retour en Goku Rush. Oh, oh, il retape. Oh, il retape. Oh, il retape. Oh, les frères. Et regardez la beauté. Regardez la beauté, les frères. Oh là là, et ça crie 2 millions. Pff, ça retape. Ça retape. Oh là 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 là. Non mais c'est violent. Non mais c'est violent. Non mais c'est violent, Goku Ultra Instinct. Mais c'est violent. Mais c'est violent.
C'est un truc de fou comment c'est violent. Ok. On va faire ça. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Alors. On va faire l'active skill. Ok. Yusaneza! Incroyable, active skill. Oh là là. Allez, bim, patate. Allez, 1 million dans ta face. Dommage, ça a pas crit. Bon, là, par contre, là, voilà. On va prendre un item. Je pense celui-là, voilà. Ça peut être bien. 55% DPV. On va pas prendre de risque parce qu'en face, on a quand même Migaté. Ça peut esquiver également de son côté. Donc, on va jouer un peu la sécurité. Ouais, dommage. On pourra pas partir en ultime. Bon, bah, tant pis. Hein. Let's go. Allez, let's go. Ish! Donc là, c'est le Migaté non maîtrisé. Pas. Ok, 470. Ah, il retape. C'est pas mal. Ouais, ok. Par contre, il a pas retapé très très fort. Ok, là, je me prends une spé. 173 000. Ok, Migaté. Bim. Goku Ultra Instinct. Tu vas te la manger, celle-là. Tu vas te la manger. Ok. Ok. C'est bon, ça tank. Sans problème. Ich. Elle est stylée la carte de Goku et Freezer en duo LR. Par contre, 360 000, ça fait pas très mal. Ah, là, ça a crit, c'est bon. 203K. Allez, faut faire attention. Ouais, ça va, ça tank. Ok. Allez. Là, maintenant, on va faire ça. Attends, si je fais ça... Après, il enchaîne les attaques là-bas, tout à droite. Attendez, je réfléchis. Vas-y, déjà, active skill, déjà. Oh là, ouais, Bétini. Oh là là, il est incroyable. Si tu fais du mal à mes amis, tu vas me le payer, Lusaneza. Il est incroyable. C'est ce qui est kiffant en fait dans Dokkan. Maintenant, le fait qu'ils aient rajouté les voix pour les active skills, c'est stylé. Par contre, on a tapé à 3 millions. Ok, là par contre, top, active skill de Vegeta. Let's go. Pa. Incroyable. Ah, par contre, 711 000. Il a pas crit, dommage. Ok. Ouais, on va mettre Migaté parce que comme ça il pourra faire des esquives. Let's go. Ok, ça part en ultime pour le Migaté LR et pour le Vegeta Blue LR. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bim, grosse patate. Bim, Kamehameha. 3,5 millions. Et en plus ça esquive, voilà, c'est hop, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça qu'on t'a mis devant. Hop, les 3 esquives, 3,5 millions. Mais c'est trop fort. Mais c'est trop fort, les amis. La vérité, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Hop, lui aussi, la crit. Oh là 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 là. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme team. Là, normalement, ça y est, on l'achève, là. Donc là, après, il va arriver en Migaté maîtrisé. Mais c'est trop fort. Ça crit aussi. Allez, basta, basta, basta. Oh là 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 là. Incroyable. Ok, on est déjà à la fin. On est déjà à la fin du Goku Rush. La puissance de la team, c'est un truc de fou. Alors, je vais faire comme ça, je pense. Ouais, comme ça, au moins, il peut esquiver le Goku. Alors, faut pas que je joue non plus avec le feu. Hein. J'ai des items à prendre au cas où. Parce que à mon avis, lui aussi, il va esquiver tout ça. Ah ouais, non, en plus, je crois que je peux pas esquiver ce tour-là. Ah ouais, si mes souvenirs sont bons, je crois que je peux pas esquiver. Ok. Ok. Ok, là c'est chaud, là. Là, il a esquivé, lui aussi. Hein. Ouais, je crois que normalement, ce tour-là, je pouvais pas esquiver. Ok. Va pas falloir jouer avec le feu, quand même. Parce que là, je pense qu'on va devoir prendre après un objet. Hein. J'ai pas envie de perdre bêtement
Pour la vidéo, ça serait dommage. La vérité, après la game qu'on est en train de faire là, on va pas jouer avec le feu, on va jouer la sécurité. Ok, c'est bon. Ok. Parfait. Ok. Du coup. Ok, attendez, hop. On va déjà faire ça. Voilà. On va mettre un petit fantôme, tu vois. Un petit fantôme portier. Voilà. Bim. Comme ça, au moins, lui, il est de type vert. Il se fera pas taper, le LR de Goku et Freezer. Et voilà, on part comme ça. Hop, let's go. Allez. Vu qu'il y avait le Freezer et le Goku type tech contre type, hein, on évite qu'il se fasse cogner. Bam ! 444 000, c'est pas foufou. Ok. Sinon, tu veux bien arrêter d'esquiver, toi aussi ? Tu veux bien me laisser t'infliger des dégâts, quand même ? Et bienvenue, Hamza, hein. Merci beaucoup pour les follow, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les petits pouces bleus, également. Ça fait plaisir. Ok, ça y est, c'est bon. On a notre Migaté non maîtrisé qui passe en Migaté maîtrisé. Migaté no Goku. Ok, let's go. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est très bien. Maintenant qu'il est transfo, c'est ce qu'on voulait. On va pouvoir soigner les PV. Voilà. D'où l'intérêt de mettre, du coup, le fantôme portier. Hein. Comme ça, on a eu la transfo du fameux Migaté en maîtrisé. Allez, let's go. On fait ça. Ouais, on va faire ça, comme ça part en ultime. Et du coup, ouais, on peut faire ça, let's go. Allez, let's go. Ok. Ça tank, c'est bien. Ça tank, c'est parfait. C'est parfait. Final flash, torse nu, c'est stylé quand même. Torse nu, c'est stylé, hein. Et elle est super bien réalisée, l'attaque. Oh, quasiment 1,8 million en crit, parfait. Allez. Ah, d'accord. Let's go. Poum, poum. Let's go. Très bien. Bim. Ok. Ok. 1,5 million en crit. Ça fait mal quand même, hein. Eh, je pensais pas qu'il allait faire aussi mal que ça. Ok, lui, il m'a fait 350 000 dans la face quand même. 350 000 quand même. Par contre, j'ai fait 1,5 million avec la transfo de Migaté. Franchement, bien. Bon, je remets un petit fantôme, du coup. Let's go. Voilà. On part comme ça, en ultime. On va partir comme ça. Et du coup, on va partir... Attendez, voilà, on va prendre ça. On va garder les violets pour après, pour le tour d'après. Vaut mieux garder les ki de sphère violette pour le tour d'après, pour le fameux Vegeta. C'est bien mieux. C'est préférable. Ok. Bim! Allez, mange! Allez, tu manges. Pam! Poum! Le Kamehameha. 2,3 millions en crit. Oh, et ça retape. Non, mais c'est trop. Non, mais... C'est violent. Non, mais c'est violent. Vraiment, c'est violent. Le 1,5 million en crit encore. Mais c'est violent, le Goku Ultra Instinct maîtrisé. Mais c'est... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh. Ok. Très bien. Ok. On va faire ça. Allez, on joue la sécurité, voilà. Et là, normalement, on devrait le terminer. Hein. Normalement, ça devrait être terminé, là. Là, normalement... Ouais, je vais faire ça, on s'en fout. C'est juste pour qu'on parte en spé. Voilà. Chut, hop. Et voilà. Et puis voilà, et puis si on peut esquive... Ouais, j'ai bien fait. Hein. Ah, du coup, ouais, on peut pas esquive, je pense. Et j'ai bien fait de soigner, parce que il tapait quand même à 50k. Il tapait quand même à 50 000, hein, le coco. Hein. Ça fait combien, là? Oh, quasiment 2 millions. Ok, là, normalement, ça va être plié. Là, normalement, ça va être plié. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, retape. Je croyais qu'il allait le finir. Je me suis dit, ah, il va pas le finir. Allez, c'est bon. Il renchaîne encore. Bim, 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 bim. Prends les patates. Pas. Allez,
1,4 million et on a fini le Goku Rush, les amis, mais en mode tranquille, quoi. Franchement, c'est en mode tranquille avec la Team Universe 7, mais c'est trop fort, Goku Ultra Instinct Maîtrisé, avec le Vegeta Blue Evolution LR également. Goku Ultra Instinct LR, Vegeta Blue Evolution LR, oh, 21 minutes, putain, j'ai battu mon record. C'est trop fort. Non, mais c'est trop fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez, j'ai même battu mon record, tout ça. Autant vous dire que là, je jouais très souvent la Team Dernier Atout. Parce que voilà, je trouvais que la Team Dernier Atout, c'était vraiment très fort. Mais là, Universe 7, mais c'est trop fort également. Ça fait partie des meilleures teams, je pense, sur le jeu Dokkan Battle. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais attends, là, j'ai même fait plus de 5 millions. J'ai fait 5 millions 5, je crois, avec le Vegeta Blue Evolution LR. Le Migaté qui tape à gogo, qui esquive à gogo. Très fort offensivement, très fort défensivement, très fort également avec les esquives. C'est trop fort. Un mot, un seul mot. Trop fort, voilà, vraiment c'est incroyable. Merci à vous de m'avoir dit de faire cette Team Universe 7 hier en live. On l'a fait aujourd'hui en vidéo pour le Goku Rush. La prochaine fois, je ferai le Goku Rush GT. On ira voir un petit peu ce que ça donne également. En tout cas, merci à vous, les petits pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter pour me dire vous aussi si la Team Universe 7 c'est très fort pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens également à préciser, vidéo invocation Dokkan qui arrive prochainement. J'ai des tickets gratuits sur Migaté LR, Vegeta LR. Bref, je vous en dis pas plus. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, yeah!